Eh bien bonjour à tous pour la partie 3 sur Game of Thrones Clash of Kings, le mode de Mountain Blade, et nous venions de voir que King's Landing venait de tomber. Alors j'ai un peu relu ce qui s'est passé. Au fait, tous les enfants de Robert Baratheon, soit des enfants, ont été exécutés avec Cersei. Donc Joffrey, Tommen et Myrcella, également Cersei. Voilà. Donc avec ces 4-là en moins, il n'y a plus aucune possibilité pour que les Lannister aient un quelconque pouvoir sur le trône de fer. Ce n'a pas été les Tully, mais bien Renly Baratheon qui avait une alliance avec eux, qui est monté sur le trône de fer. Et suite au massacre des descendants de Robert, et surtout de Cersei, Tywin Lannister, qui est justement ici, a décidé de faire la paix et d'accepter Renly comme roi, et de faire la paix avec le Nord ici présent. Donc moi je me retrouve sans emploi. Je voulais taper du Lannister et je ne peux plus. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est attendre que de nouvelles opportunités s'offrent à nous. Regardez-moi cette fucking armée de Lannister. C'est impressionnant. Oh. Mais Aesos, ça se tape dessus, hein. Pourquoi je suis chez le Nord? Moi, je m'emmerde là. Le grand hall du trône de fer. Mon Dieu. Je trouve ça dommage, c'est qu'avant tout était ouvert. En fait, la ville était ouverte avec les gens qui étaient dans le hall. Vous voyez vraiment toute la famille royale, toute la cour, etc. dans le hall. Et ça donnait directement avec la porte là-bas dans la ville. Et là, malheureusement, ils ont séparé ça en plusieurs parties. Dans celle-ci qui est malheureusement extrêmement vide, il n'y a plus personne, ce qui est naze. Et le trône de fer qui est plutôt un trône d'or. Vous ne me trappez pas, je suis bien caché, moi. C'est triste. Voilà, et la musique qui coupe comme ça. Les celliers. Oh! Dovahkiin. Donc le gros crâne de dragon, ok, les dragons. Il y a seul dragon, il me semblait qu'ils avaient expliqué qu'il y en avait un peu partout, là, plusieurs qui parlaient justement en taille au fil du temps. Dommage. Bon, le château, allez, le château, c'est vrai, le château. Ça fait bizarre de voir des soldats de l'armée de Tully dans Cast Landing. Enfin bon. Le haut, c'est ton. Que la paix du Père soit sur vous. Je suis le haut septon et je parle au nom des sept eux-mêmes. Alors, les dieux sont cruels. Gna gna. Ouais, j'ai autre chose à faire. Hein. Bonne journée. Enfin, soirée. Y a plus personne! Bah, ils étaient vivants avant. Vous avez tué tout le monde. Tyrion, il est où là? Je veux savoir où il est. Je suis désolé là, je suis pas content. Alors, je vais essayer de faire un truc. Ne le prenez pas mal. Je veux vérifier. Est-ce que. Là, est-ce qu'il serait arrivé à la capitale Castle Rock? Je regarde. On a Jenna. Emon frère, gna. Mais je les vois pas moi, c'est qui tout cela? Jenna Lannister, c'est qui celle-là? C'est qui? Je veux Tyrion. Il serait peut-être à l'indice. À Port-Lanis. Oh là. Je vois pas de nain là. Il est pas là. Ils ont tué Tyrion. Non. Non. Tant pis. On peut recruter des hommes. Ah ouais, bah on va voir c'est quoi comme. Comment ça, je me fais attaquer? Wow! Calmos là! Quand des clones. Oh, oh, tu tapes quand je te demande de taper, toi. Hein. Ouais, allez, tape à travers ton pote, quoi, connard. Ah, ce jeu, techniquement, il est vraiment à l'arrache. Vivement le 2, parce que là.
Tu joues à ça? Oh, headshot quoi. Headshot involontaire. Wow, je gère. Hein, malgré cette tricherie involontaire du jeu, je gère. Et je prends ça pour moi, c'était pas voulu. Et je retourne là. King's Landing. Hop. Et je vais aller. Alors c'était pas prévu que je me fasse attaquer quand même. Hein. Est-ce que je cheat pour récupérer ma vie ou. C'est tentant, hein. C'est tentant. On va se reposer un peu. Je ne sais pas quoi faire. J'avoue, je ne sais pas quoi faire. Ah, ça se bat encore entre. Ah, bah, il y a quand même Stanley et Renny qui se battent entre eux. Ouais, mais ils étaient déjà pas en guerre ces deux-là. Voilà, il y a tout qui se tape dessus à Isos, c'est une catastrophe. J'avoue que j'ai du mal à comprendre tout le bazar. Donc Stanis se fait taper dessus, ok, par les troupes de Renly. Peut-être même par les Tully, parce qu'ils ont quand même une alliance entre eux. Sinon... Là, franchement, ça m'a bloqué cette histoire, là. Je sais, je suis paumé. C'est ce contrat à la con avec le Nord maintenant qui m'emmerde, parce que ça me bloque un peu, je ne peux pas aller me battre au côté de l'armée des Os, et je n'ai pas envie non plus de me... Sans, je pense même pas que je puisse me vassaliser sous l'étendard d'un pays, d'un seigneur ou quoi que ce soit. Bon, on va traquer des bandits, on verra bien. Ça va? On va essayer d'en trouver. J'en trouve pas justement, c'est toujours comme ça. Quand on n'a pas envie, ils sont là. Et quand on en a envie, ils ne sont plus là. Ah. Ah. Voilà, et où? Et ça va, ils sont déjà en guerre là, arrêtez. Ok, donc Stannis s'est dit, oh non mais c'est moi le roi. Et puis il a déclaré la guerre au Lannister. Alors que c'est plus les Lannister qui ont le pouvoir, c'est son frère. Le scénarium. Regardez. Non mais ça va, hein. Ça va, allez, bon amusement là. Ils étaient à moi, je suis désolé mais si je fais la bataille j'aurai rien quoi. Ils vont tout me piquer. J'aurai deux paires de chaussettes et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Où est-ce que je pourrais aller? On va taper du sauvageon là, on est sûr qu'on est servi. Pop. Ah, je suis vraiment désolé. Les Tully et les Lannister sont toujours en guerre. C'est vrai ça? En fait, c'est juste que j'ai eu vraiment un manque de. Une poissemence à choisir le Nord, quoi. Ah, c'est la merde. Oh non, mais. Ah, mais c'est la merde. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je fais faire moi? Ah, c'est pas exactement la même quantité cette fois. Je suis en déficit. Ok, maintenant je... Oh là là, une baston là. Dépêche, va là. Quand je te demande d'aller là, c'est pour aller là. Merci. Vous, s'en vont les villageois. Hop. Chargé. Donc je vois qu'on n'est pas les seuls à s'emmerder, il y a des déserteurs qui doivent vouloir se bastonner. La preuve, ils attaquent des pauvres petits paysans sans défense. Hein. C'est toujours plus facile d'attaquer plus faible que soi. Toi, oui. Non. Salaud. Allez. Allez les gars, courez. Courez, alors que moi je suis à cheval. Bon, je commence à ressembler à un guerrier, mais le bouclier c'est toujours pas ça. Et j'avoue que... Bon bah... Je suis pas tellement beau. Regardez-moi cette côte de maille. Au degré de la plasticine. Bon alors, ils sont là. Ils sont combien? Ils étaient 9. Ben j'en vois que 7. Ils étaient 7. Waouh! Waouh!
Non, trop tôt. Ça aurait été épique si j'avais réussi à toucher le deuxième. Non. Mais je rate tout, je rate tout. Je suis... Chut. Bon, ça, il a reçu des dégâts où mon cheval. Ils ont pas tiré, ils pouvaient pas, j'étais en train de dire. Wouah. Ouais, mon cheval est blessé, génial. C'est le fun qui fun. C'est le fun qui fun. C'est le fun qui. Et arrête de tirer comme une brêle. Oh là, 12 points de vie avec une flèche quoi. Moi je me prends une flèche, je m'en prends 90 de points de vie en moins. Et j'ai un meilleur équipement. Ouais, je l'ai touché là. Hey, j'ai vu le carreau, j'ai vu le trajet, il était plus dessus quoi. Ah là 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 là, et tu vas pas me faire le coup à chaque fois non plus. Elle s'est enregistrée hein. On a des preuves de ton crime là, le jeu. Arrête de te foutre de ma gueule. Voilà, et j'espère vraiment que ce sera réglé dans le 2 hein, parce que. Et encore c'est pas sûr parce que dans la petite vidéo de présentation qui est passée à l'E3, on a vu quand même quelques petits bugs, comme les gens qui se bloquaient dans les entrées des portes, dans l'encadrement. C'était tout ce qu'il y avait de plus épique. Bon, cassez-vous, je veux taper. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Toi, je suis désolé pour toi, mais... Il est à moi, non. Non, il est à moi, non. Il crève pas. Même eux, ils arrivent pas. Oh non, il s'est échappé, quoi. Allez. Vous êtes content, vous? Il est à 2 mètres. Pfff. 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 Bon. Deux paysans qui sont fait tataner la gueule, c'est pas grave. Oh, toi. Toi, c'est bien. Je vais être récompensé par toi. Viens dans ma tente. Alors. On va prendre ça. Ici, on va. Bah, pas le choix. Pas le choix. Voilà. Ok. C'était moins idiot coup, hein. Et trois pièces d'argent, pas grand chose, hein. Pas grand chose d'auto. Et il faut bouffer comme ça, quoi. J'ai l'impression de perdre autant de bouffe que quand j'ai armé 350 personnes. Arrêtez de vous déclarer la guerre entre vous, là. Vous êtes en alliance, et puis vous êtes plus en alliance, et puis. Oh là là. Ah, là c'était quand même plus joli. Non, en fait, non, ça, non, c'est trop bugué pour que ce soit joli. Ça. Mais c'est même pas la même couleur. Non, non, c'est pas normal. Voilà, ouais. Voici les grosses faiblesses du Nord, c'est Glor's Armure, bah c'est pas très protecteur. Hein. Ce n'est que du cuir et. Oh, c'est moche. Bon, alors, on va acheter de la bouffe. Et ça, parce que ça vaut du fric. Alors, ça. Ouah. Ah bah purée, j'espère que vous bouffez pas, vous avez pas tout bouffé. Hein. Bon, normalement, c'est surtout les sacs de fourrure qui ont coûté cher. De toute façon, on va récupérer notre mise. Je serais quand même tenté de. Oh, il y a de la guerre là-bas, il y a de la baston. Il y a plein de baston, pas le tout. Et ici, il n'y a rien. Sauvageons à la limite. Allez. Où que je suis, là je suis. Oh, il y a un truc là-bas. Il faut le voir. Hein. Alors, Ah là, sauvageons, 29 sauvageons. On va les étriper. Ah, ça c'est bien. C'est toujours la même carte, mais c'est bien. Alors, hop. Les archers, l'infanterie, position. Voilà. Ça touche F7 qui fait changer le symbole d'enregistrement. Alors, les archers, vous vous mettez là ou quoi?
Non, là. Bon, putain, hé, le jeu, là, tu m'énerves. Là, tu commences franchement à me péter les couilles. C'est quoi ça? Là, le jeu me pète les couilles. Tu veux bien obéir? Je t'ai pas demandé là, je t'ai demandé là, quoi. Allez, merde. Et vous, je vous ai demandé d'avancer. Ah, vous avancez quand c'est trop tard. Bah oui, hein. Ah là 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 là. Oh là là, le jeu, il m'énerve là. Oh, c'est vrai, mon cheval, il est pète-couille, quoi. Il est casse-patte. Je vais descendre. Ça sert à rien, mon cheval est pété. À toi. Descends. Hop là, là c'est mieux là. Hop. Waouh. Que demander de plus, quoi? On peut me faire tirer dessus, peut-être? Oh, lui aussi, il est casse-patte. Oh non, mais. Oh non. Oh, c'est pourrave. C'est pour cave. Non. Allez, chargez la fanfille parce que ça. Ah. Aïe, mais oh. Ne tire pas sur un homme qui descend. Mais non. Mais de quoi là? Je me suis tiré dessus, j'ai mon bouclier, quoi. Eh, il est pété de couilles ce bouclier, il protège que plus. Allez, casse. Tiens, voilà, c'est mieux là. Là, c'est mieux là. Là, je me sens mieux protégé. Vous êtes content? Vous êtes content? Toutes les flèches partout. Je ne suis pas content. Oh, ça, je suis content là. Ah ouais, ça. Pas des sauvageons, ça nous fait. Bah, ça rend célèbre, hein, semblerait-il. Ah, mais faudrait déjà plus ou moins que mes hommes obéissent à mes ordres parce que là, ça devient un peu pénible. De pas savoir leur commander. Bon, il est théoriquement moins bon, mais lui non. Lui, franchement, j'en ai marre. Dès que je le brandis, je me prends une flèche dans la gueule, c'est ça va. Hein. Une fois, ça va, mais là, c'est la quatrième fois, je vous jure, j'ai eu le même coup hors caméra. Bon, hop. Le cheval, il est poucave. Allez, là, tu vas te reposer. Oh, c'est vrai. Merde, j'ai pas de place. Bon, le cheval, il est poucave, mais il va se faire poucaver plus loin. On retourne à Blancport. On va essayer de se débarrasser de ces fourrures qui, finalement, prennent beaucoup de place dans l'inventaire. Et on va retourner au nord et recombattre des sauvageons. Top, 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 top. Un peu d'or. Ah, bah ça me dit mieux. Voilà. Ça coûte cher, mais au moins, comme ça, j'aurai un vrai bouclier. Pas comme cette saloperie là que j'avais en planche de cul là, en plancher de toilette. Bon, alors, je vais vendre ça à Bravos. Avec la guerre, ça peut-être fait un peu gonfler les prix. Ah, bah maintenant, ils font la paix maintenant. Ah, bah tiens, je vais faire un truc à Bravos, il faut la paix. Ça fait exprès? Excusez-moi, ça fait exprès? Le scénarium, tout ça. Donc, je vois plus rien. Bzou! Zou. Alors, ok. Ah bah c'est bien, mais ça rapporte, ma foi, ça rapporte pas mal. On va un peu restructurer tout ça parce que voilà. C'est dommage, je connais pas une touche ou en tout cas je ne le connais pas hein, qui permet d'automatiquement remettre tout en ordre. Ah bah voilà, 2677 pièces. J'avais payé 1500 quelque chose, donc ça fait quand même pas mal de bénéfices. Cependant, comme j'ai payé un nouveau bouclier, bah je suis toujours en, c'est quand même moins d'argent qu'avant. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais prendre de la bière. Ah bah de la bière, voilà. La bonne bière. Voilà. Ah, les banques de fer. On va visiter les banques de fer. Ah, c'est pouilleux, quoi. C'est la cave du grenier ou quoi? C'est censé être un grand hall majestueux, pas des briques.
Hey, je suis dans les souterrains ou quoi? Parce que je suis pas connu. Tishon Estoli. Oh, il est puni. Bah oui, c'est pour ça qu'il est... Même lui, il y croit pas là. Bienvenue dans la banque de fer. Numéro 2. Comment puis-je vous rendre service? J'aimerais discuter de mes finances. Très bien. Nous allons. Do you have not... Vous n'avez pas encore un compte en banque avec nous. Nous pouvons vous aider à déposer de l'argent. Bon, c'est des banquiers, quoi. Hein? C'est acceptable. Quoi, sérieux? Merde, je lui ai donné 1000 pièces d'or. Ah oui, ok. Et donc, il y a un système de... Ok. Bah voilà, 2000 pièces d'or. Tu vas me garder ça au frais. Je reviens dans quelques semaines. Je veux que ça ait fait des petits. Ça va? Oh. Regardez toute la vie de cet homme qui défile devant vous là. Il a raté sa vie. Avec la petite musique derrière, ça va super bien. Il a raté sa vie. Veux-tu bien te montrer de profil, Bernard? Il a une calvitie héréditaire. Une mocheté. Il a les pieds beaux. Tu me fais flipper là. Casse-toi. Vous n'avez pas payé votre emprunt, c'est ça? Vous êtes tous roux hein, dans ce jeu. Hein. Un truc qui va pas avec ce mode, ils sont tous roux. Eh, c'est du roux aussi, ça. Ah là là. Ah, toi t'es pas roux, toi. Enfin, très légèrement, mais non. Toi t'es roux. Sous. Bou. Ok. Oh, les casques. C'est vraiment les casques de Warhammer, ça. Les casques de l'Empire. Allez. Oh là là, il y a tout qui ressemble à l'Empire. Oh! 4800 pièces, je peux avoir une armure comme ça? Vous êtes sérieux? Eh merde, j'ai plus. Merde, j'ai plus l'argent. Pourquoi j'ai déposé cet argent dans cette banque de merde? Bon, tant pis. Ah, de la bière, de la. Oh non! Oh, les gens se mutinent, quoi. Voilà, pour une fois qu'on a vraiment de la bière. Mais depuis tout à l'heure. Enfin, depuis tous les épisodes, à chaque fois qu'on leur donne de la bière, on n'a pas de bière, mais ça leur suffit. Et là, on a vraiment de la bière, et ah non, mais ça se tape dessus, quoi. Jamais content. Bonjour, on a de la bière. Ah oui, il y a un tournoi, mais je ne pense pas être à la hauteur actuelle pour pouvoir. Ouais, ça. Non, c'est. Tiens, du poisson. Je prends du poisson. Bon, c'est pas là qu'on va pouvoir vendre la bière. Ici, peut-être. Déjà. C'est pas énorme comme bénéfice, mais c'est pas grave. Moi, ça rembourse l'achat de ces bazars-là. C'est déjà ça. Ok. On va aller taper du sauvageon. Parce qu'on est frais comme un gardon, on s'est reposé durant notre petit voyage en mer. Et on va aller taper des sauvages. Voilà. Vu que le mur ne fait pas son travail, je ne le répéterai jamais assez, on est une bande de nouilles. Ah. Corvette 6. Bon, on va les massacrer. On va tenir notre position cette fois-ci. Peut-être que mes hommes seront plus disposés à... Ah, c'est pas la même. Presque. C'est pas. Oh, mais si, c'est super bien mis. Allez, archer ici. Là, là. Si, allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Parce qu'eux, ils arrivent là. Et c'est des cavaliers. Hop. Non, allez là même, c'est mieux. Parce que comme ça brisera leur. Leur charge, la petite montée comme ça, et vous pourrez leur taper dessus. Alors c'est quand même sacrément con que les albardes, enfin les, je sais pas comment ça s'appelle ça, enfin les unités anti-cavaliers justement, bah se retrouvent derrière.
Et que c'est eux qui se trouvent devant, c'est stupide. Ils connaissent rien en stratégie militaire, vous, hein. Vous, devant. Oh, et puis, merde. En avant! Ah non, mon cheval, il est pour... Ouah, je l'ai eu! Ah, j'y croyais pas, ça. Allez! Voilà, là, c'est quoi, ça? Non. Non. Non, non. Non, non. Voilà. Là, ça va. Alors, ici, ça donne quoi? Voilà, là, c'est bon. Là, il est bien. Là, il est bon. Tu te défends bien. Ah! Ah! C'est le cheval qui a tout pris, mais... Wow, 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 vite! Ah, oh, il est poucave, là. Il est pourrave, il est pété, il a plus de... Non! Là, là, ça va servir, hein. Chez l'adversaire, ça fonctionne. Oh non, oh non, oh non. Et moi, je fais ça, et l'adversaire, il est pas touché, et moi, je me fais toucher. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Crève. Voilà. Vous pouvez pas m'aider? Chargez, les gars, chargez. Allez, hop, 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 hop. Oh merde. Ouf. Oh là là. C'est qui l'a buté le cheval là? J'ai même pas fini de descendre du cheval que je me fais déjà tirer dessus. Oh allez, mais rate pas. Il part alors qu'il me... Vous avez vu l'animation? Il parait mes flèches quoi. Un truc improbable. Un truc est tellement improbable, il peut pas me parer dans cette position là, c'est pas possible. J'aurais raté les... Oh! Là dans le nez. J'aurais raté le tir, pourquoi pas, mais dès qu'il le part à mes flèches, je ne comprends pas. Pas de perte. Parfait, on a 3 prisonniers. On n'a malheureusement pas l'occasion de pouvoir les prendre. Hop. Hop. Ça va là, ça. Ok. Ok, c'est bon. Eh bien, eh bien, eh bien. Oh, un niveau en plus. Mais que demander de plus? Un peu moins de bugs, peut-être. Ce serait déjà bien. Alors, plus de ça. Faudrait que je trouve un marchand, quand même. Ce serait bien. Alors, je vais augmenter ma puissance de bandage. Voilà. Archerie, on améliore tout ça. Parfait. Là, il y a un petit groupe de 12. Je serais tenté d'aller les tuer, puis je mettrai fin à la vie des... Oh, ce sera... Ah. Ah, ils sont plus 12, là. Ils sont 28. Bon, on va faire attention. Même carte que tout à l'heure. Alors, ici. Alors, l'infanterie en position. Gnagnagna. Bref. Là, tandis que les archers se mettront ici. Je vous ai demandé de vous mettre en formation. Pourquoi il veut pas là? L'infanterie d'édition, il ne peut pas être en... On va te faire voir quand tu l'as fait la bataille juste avant. Y a pas de logique. Wedge, ça va ça? Oh, on va te faire foutre le jeu. Ah là, il m'énerve là. Il veut pas fonctionner correctement. Vous le voyez devant vous. C'est bien ça, soldat. C'est bien mis. Mais le combat, c'est. C'est moins bien mis, donc. Wow, purée, la partie. Il gère. Wow, comme Joe Snow. Cavalier de la gueule. Ah là ils se mettent en formation. Ah bah c'est... Oh. Pendant que je regardais pas, t'as pas honte? Ah je l'ai eu. J'ai eu quelqu'un avec une flèche. Waouh. Eh, ça a marqué d'une pierre.
Bière blanche. Ben. Bon, alors, on va leur tirer dessus. Ne nous tirez pas dessus comme derrière, parce que on compte sur vous pour les massacrer. Je l'ai eu. Touché. Je l'ai eu. Ah, mais ça va, je gère là. Et le poids que je viens de rajouter, il sert à quelque chose, semblerait-il. Il fait moins bugger au niveau de. Ah, mais c'est génial. Je tue des gens avec mon arc. Mon arc en pâte molle. Et donc plus de flèches. Ah là, par contre, j'ai pas vu la flèche partir. Ah, peut-être peu. Voilà. Wow. Il est à moi, il me reste une flèche. Ouais. Il est mort d'une flèche dans l'avant-bras. Non, dans l'arrière-bras. Non, j'ai plus de flèche. Non, une flèche. Salaud. Le duel. Il est misé aux flèches. Wow, il y en a encore un. Non. Ça devait être épique, c'est raté. Non. Vous êtes content, vous? Je me suis chopé la honte devant tout le monde. C'est triste. Mais...